From where I'm talking to you, and I'm super happy to. Basically, I started my journey to design quite randomly because when I was 20, I firstly started to study in art school, and I'm very quick discovered that it wouldn't be the right place for me. Actually, I didn't want to stay in my workshop alone in front of my canvas or stone or whatever the medium is, but I wanted to be more involved in the society, more involved in a type of ecosystem. So as a designer, even if I didn't really know what this job means, but for me, my intuitions were that probably in this job, I would be more in the middle of this world, middle of the clients, the industry, the factories, the markets, the financial markets, so everything. And I was thinking that maybe it would be more relevant for me to be in that location. So, and at the end, I spent 7 years. 7 years, quite long actually, in a design school. And just after school, I start to work as independent because even after school, I didn't want to work for another designer because I was pretty sure that it's already quite difficult to convince a client or to invest on you, to invest on tools to produce what you have created. So I was saying that it's going to be hard to convince my friends. So if I have one more client between me and my final client, that would be another designer, that would be my boss actually, I would spend too much energy. So I said, okay, let's forget again to get any boss and let's try to do it by my own. It was long, it was quite difficult and tough. I spent long weeks and months and most years in my just close to my bed. But it was are sometimes or often always very clever that the rest of the world is already quite open to designers. Investigating new fields, investigating new form, new way of working, and designers themselves, and it's pretty weird that quite often decide to become a specialist in one field. That might be packaging, that might be graphic design, that might be furniture, that might be whatever. And for me, the best interest of being a designer is a specialist, or at least just being a specialist of human being, trying to understand what is a human being, physically, brainly, culturally, and use every tool you can use every knowledge you can get, use every match you can provide to a solution. Maybe it's not the perfect solution, maybe it's even not the best solution, but proposing always something. All of them get, for any reason, they need to express something, and all to express it in relational way, like all the human beings are able to do. A creator is able to express his ideas, his wishes, by talking, by explaining to the relatives. The creator, because there is probably a lack of something, is incapable to do that in a normal way. So he needs to build something physically to express what he wants to say. And after that, for me, the good creators or the good are probably the one who are able to continuously
said, okay, the easiest way is as soon as an idea arrives, you make it without any filter. The good one, this is what I'm trying to become, always stop making many filters and throw away most of the ideas, most of the messages. You know, I am the youngest of a large family. I got six brothers and sisters. So as the youngest one, you have to imagine that during the dinner on the table with my father, my mother, my sisters and brothers, as the youngest, basically, I was not allowed to talk, or at least just talk if you have something interesting to say. Yeah, you know what? We love you, but you are youngest one. So let's talk. And the good person is the one that is supposed to be older than you. So for me, the creator or the good creator is the one who are able to keep silence and just talk. They have something that they see. It might be interesting to say. Okay. You know, the title in my work arrived very soon in the press. I heard some time for the writers, the novelists, what would be the best title. In my way, it's more as soon as the first wish or vision or sometimes idea arrive, a title arrive very quick after that. It's one of the best steps in the project. And more than that, the title is always help me to give kind of direction for the project. And by this idea of inventory, it's a way to clearly express that is not my point of view, it's not my subjectivity, it's not my style, it's not basically what I'm thinking. If I have to define my way of working, I try to always combine magical and functional at the same time in the same object. Boom Boom is a kind of and the goal was to be as smart and as simple and as instinctive as this kind of object. When you put a fruit on the table, you don't want you want to take them and to them. So for me, Boom Boom is exactly like that. Simplicity means an object where you do not ever think about what is inside. Boom Boom is a kind of magical object. Full of tech, full of components, full of very smart engineering and expertise. But at the end, you do not see anything, you're just in contact with an object. The most challenging part of Boom Boom is transforming the inspiration of making kind of technological fruit into very simple, need more than 10 tools and more than 10 steps of tooling to transform a perforated grid into this complex and geometrical shape. I took part in this project because from the very first meeting with Beinerik team, we share the same vision of the product on sound, on technology. And our vision is to be act of this object, on the way to use it, to make this object or product being part of our daily life. I want people be able to put it in a very different way and to be able to move with it, to play with. At the end, we only want to design the pleasure. And when you start to turn off the button and you start to listen to the music or the sound coming from it, the sun is everywhere, so simplicity is that, is to do not make a tribute to technology, do not make a tribute to electronic, focusing on the sound, only focusing on what will appear around this object. So the sound is this for me, is making this air becoming more friendly. Je devais définir mon travail, il consiste à donner forme à des... pour poser, pour s'éclairer, pour dormir, et que sais-je. Et au-dessus, j'essaie de faire en sorte, et c'est plutôt cette chose-là qui m'intéresse, que, au-delà de la fonction, l'objet vous parle de façon plus profonde et fasse appel à des mémoires ou ancestrales, ou historiques, ou
ou de la civilisation. C'est de faire en sorte que les objets ne servent pas juste à répondre à un besoin qui serait mon livre ou ma tasse de café, mais qu'à un moment, j'ai presque l'impression, en tout cas on fait tout pour sentir que c'est presque toute l'histoire de l'humanité depuis qu'on a été capable de faire des outils, un silex, qui se retrouve dans cet objet-là. Et que c'est toutes ces strates d'artisans, experts, que se sont transmis l'information de grands créateurs, et que c'est toute cette connaissance-là qui d'un seul coup se cristallise dans une chose et qui d'un seul coup vous apporte évidemment autre chose que la simple fonction de l'avoir. Mais avoir effectivement une chose, d'un seul coup une sorte de potentiel presque magique. Je pense tout ce qui est de ce que je considère comme de la matière brute. Si je dois dessiner un fauteuil, je vais être assez comme une sorte de nourriture qui aurait déjà été digérée par un autre, quel que soit. Donc j'essaie plutôt de trouver des inspirations qui vont être de la matière brute. Donc, la nature est capable de vous offrir de la matière brute, mais l'histoire de l'art peut vous en fournir aussi. L'histoire des civilisations, l'histoire des techniques. Donc ça part souvent de là et puis lui donner une autre dimension ou une autre forme. Pour moi, c'est important et c'est un plaisir. C'est aussi une interrogation. Parce que depuis que je suis designer, il y a beaucoup de demandes du côté de la Russie. Et je me pose la question pourquoi. Ça m'intéresse. Savoir pourquoi cette culture, pourquoi cet art, pourquoi ces personnes s'intéressent à ce travail-là. Et ce n'est pas du tout évidente. Parce que vous dessinez les pieds avec toute l'amour, l'énergie, le temps, l'expertise que vous pouvez y mettre. Mais, et puis si ça marche, pourquoi ça marche? Et aujourd'hui, effectivement, on a la capacité de vendre en n'importe quel point du globe. Vous vous rendez compte que des cultures, des personnes, des pays, parfois même des villes, ont un intérêt, un attrait plus spécifique que d'autres sur ce que vous proposez. Et c'est le cas de la Russie. Donc je suis venu ici pour comprendre pourquoi. Moins de la performance que de l'expérience. En fait, c'est une chambre d'hôtel à ciel ouvert, mais finalement mieux qu'une belle chambre dans le plus beau des palaces. Celle-là, elle se met où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Face à la mer, dans un champ ou au milieu d'une ville en mouvement, dans la ville de vos rêves. Alors, en termes de matière, c'était assez simple. Je voulais de la transparence et de la lumière. Je voulais qu'effectivement la voiture et l'habitat qui devenait cette sorte de bulle immersive soit baignée de lumière. Et donc, au-delà d'un véhicule, c'est devenu un morceau d'architecture en mouvement. On va la retrouver à travers la matière extérieure, qui est cette sorte d'aspect quasiment béton, et puis à l'intérieur, avec des matières très nobles, des tissus qui viennent des plus grands artisans d'ameublement français, et qui vient créer justement ce contraste entre un monde automobile tel qu'on le connaît et ce morceau d'architecture qui, d'un seul coup, vous invite à venir rouler avec. La suite numéro 4, ça n'est plus un véhicule classique, c'est véritablement une architecture de voyage. Mon travail, il est souvent qualifié de visionnaire. C'est un terme que j'aime pas beaucoup. Alors, visionnaire, c'est plutôt flatteur, mais je crois qu'il est résolument d'aujourd'hui. Sauf qu'on est dans un monde qui consomme tellement de nostalgie. Lorsque vous mettez une chose qui a du sens aujourd'hui, elle apparaît pour certains un futur. Alors que non. Arrête de regarder trop de passé, arrête de manger trop de passé, et tu verras qu'en fait, c'est d'aujourd'hui. Donc, moi, mon but n'est pas de conseiller, de proposer des choses pour le futur. Les designers du futur, les créateurs du futur seront bien assez occupés et brillants et créatifs pour gérer leur présent. Donc je n'ai aucune velléité et aucun ego mal placé de se dire bah, « moi aujourd'hui, je vais dessiner pour votre futur » parce que vous ne serez pas capable de savoir ce qu'il faut faire pour vous. Ce serait vraiment un peu tordu hein, comme façon de penser. Donc je me concentre sur aujourd'hui, il y a déjà du taf, mais effectivement en étant le plus réceptif possible, le plus ouvert possible, le moins dogmatique possible sur ce qui est là, ce qui commence à émerger. Mais ça a commencé dès mon projet de diplôme, sur mon projet sur les médicaments, qui n'est pas encore dans les pharmacies, mais qui est dans les collections du MoMA à New York. Il y a eu la carte blanche du VIA, qui a été un moment important pour investiguer tout un tas de recherches expérimentales sur la technique, la science, la nature dans un univers domestique. Il y a eu le projet Andrea de purificateur d'air qui a été développé avec l'université de Harvard. Il y a eu l'église de Mel qui est un projet très important pour moi dans ce qu'il a pu, pas ouvrir comme porte ou comme visibilité, mais comme d'éléments qui m'ont construit, clairement, un projet pour un hôpital, pour un service de soins palliatifs, où là vous vous rendez compte quand même, et là c'est peut-être une marche, peut-être une des plus importantes pour moi, qui est de se dire à un moment, lorsqu'un curé de campagne
fait appel à vous. Et quelques temps après, lorsqu'un directeur d'hôpital, grand hôpital parisien, fait appel à vous, vous vous dites une chose, c'est qu'en fait, le monde a très bien compris ce que le design pouvait apporter. Je suis assez convaincu que le curé de campagne va rarement à Maison et Objet et qu'il lit rarement des magazines de design. Néanmoins, il a compris qu'un designer pouvait avoir un effet important pour son église. Le directeur d'hôpital a d'autres sujets, d'autres lectures, d'autres centres d'intérêt que nos questions et nos métiers du design, de l'architecture, de la décoration. Néanmoins, il a compris ce que c'était que le design et ce qu'il pouvait apporter à lui, à ses équipes et aux patients, et en l'occurrence en fin de vie. Et donc, c'était pour moi un des plus beaux signes de se dire que si le monde a compris jusqu'où pouvait aller le design, et dans des domaines finalement assez loin de ceux qu'on connaît, alors on aurait bien tort, nous, design créateurs, architectes, etc., à nous cantonner à des domaines de compétences ou d'expertise ou à nous précarer. Finalement, je me rendais compte avec ces commandes-là que le monde était beaucoup plus ouvert que nous, nos métiers. Donc je me suis presque nourri de la vision qu'ils avaient de mon métier pour me dire, en fait, j'avais bien raison de ne pas vouloir participer au débat à l'école pour donner une définition claire et définitive du design, parce qu'elle ne cesse de s'estomper, ou en tout cas, elle ne cesse de s'élargir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'une chose est capable de produire sur vous. Et que cette chose doit pouvoir produire sur vous des effets qui ne sont pas juste une expérience esthétique. Elle doit pouvoir produire autre chose que ça. Et dès lors qu'on se dit ça, s'il faut passer par une approche plus artistique pour y parvenir, moi l'idée c'est d'utiliser tous les outils qui sont à la disposition de l'humanité pour pouvoir parvenir à mes fins. Et là, je ne vais pas aller les puiser dans la boîte à outils officielle ou traditionnelle du design. Je vais aller les prendre telles qu'ils sont mises à disposition du monde entier. On est tous bombardés d'images, on est tous bombardés d'informations, on est tous bombardés de stimulations visuelles, auditives de nos sens. Moi, j'ai besoin de les assembler, de les agglomérer. J'ai besoin d'aller les chercher, d'aller les convoquer pour ensuite produire des choses en fonction des projets que je dois mener. J'essaye en fait de toucher notre noyau profond. Le noyau profond, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est nous comme êtres humains, je dirais, primitifs. Enfants ou hommes préhistoriques, c'est-à-dire tout ce qui serait en dehors ou en deçà de toute culture, connaissance, référence, etc. Quand on parle d'instinct, c'est ce qu'on vit tous dans la rue. On croise des milliers de personnes constamment, des milliers de visages. Et puis, il y a des moments, il y en a quelques-uns qui vous attrapent. C'est pas parce qu'ils sont plus jolis, forcément, c'est pas parce que le nez est mieux dessiné, c'est pas là que ça se joue. Il y a une chose en plus, il y a une part d'attraction qui se fait. Donc j'essaie de faire en sorte que les objets aient ce potentiel d'attraction. Et moi, ce qui fait par exemple que je vois ou je sens qu'une pièce est réussie, c'est lorsque la personne, qui qu'elle soit, elle ait envie de la toucher. Et que son premier mouvement, sans même savoir si elle a le droit de le faire, c'est de toucher. Et pour moi, avant même que j'ai pu en vendre une seule, je sais que le projet est réussi si ce mouvement a existé. On n'est plus pendant l'après-guerre où on avait besoin effectivement de pouvoir fournir une table, une chaise au plus grand nombre et rapidement. Là, la chose, elle est plutôt réglée, entendu. Donc, à partir du moment où les besoins premiers ont été à peu près réglés, la question, c'est qu'est-ce que, quand on produit une chose nouvelle, elle doit apporter autre chose. Et cette autre chose, c'est effectivement une dimension qui doit être pour moi une sorte de fonction, je vais utiliser le mot fonction volontairement, mais une fonction, une fonction émotionnelle, une fonction vibratoire, une fonction presque magnétique. Moi, la dimension magnétique, c'est une chose qui m'intéresse, c'est que moi, mon métier, c'est de faire des choses qui, par définition, sont des objets inertes, donc pas animés de vie. Néanmoins, j'essaie de faire en sorte que je les dessine pour qu'ils se créent une force d'attraction, une sorte d'énergie un peu invisible entre ce que vous avez produit et une personne qui va la voir ou qui va la posséder. Et ça passe effectivement par des biais émotionnels, ça passe par des biais sans doute esthétiques, ça passe par des biais d'un objet qui peut avoir aussi différentes couches, qui fait que vous l'avez vu d'une certaine manière au moment où vous l'avez acquis, et puis au fil du temps, vous allez le voir d'une autre manière. Donc pour ça, dans sa conception, il faut lui mettre la densité nécessaire. Et encore une fois, comme une personne, vous rencontrez une personne à un moment et la personne elle évolue, elle va et vous devez faire en sorte d'aimer ces évolutions-là. Et un objet, c'est moins facile pour lui d'évoluer, donc il faut qu'il ait une densité telle que, qu'en fait, au fur et à mesure, en tout cas c'est mon rêve, au fur et à mesure de vivre avec, vous allez lui découvrir des facettes,
vous allez l'aimer de plus en plus. Moi, je les fais toujours en ayant dans un coin de ma tête qu'ils vivront plus longtemps que nous. Et ça, c'est une dimension que j'ai découvert quand j'avais travaillé sur un projet pour une église où c'était mon commanditaire était un curé de campagne, c'était une très belle église romane. Et il me disait, une fois que le projet était rendu, tu te rends compte, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants verront ce projet. Et c'est le moment où je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, je produis des choses qui potentiellement vont me survivre. Alors la torche olympique, c'est un moment, évidemment, c'est un projet un peu de rêve, soyons clairs. D'abord, c'est un des rares projets dans une vie de créateur qui est potentiellement vu par 3, 4, 5, alors ça dépend des chiffres, milliards de personnes, c'est assez rare. Donc c'est une chose qui met un petit peu de pression, mais c'est une chose aussi, quand vous la dessinez, vous la créez, où vous devez tenir compte qu'en fait elle vous appartient tant qu'elle est encore sous votre direction créative, mais une fois qu'elle existe et qu'elle est montrée, elle ne vous appartient plus, elle appartient aux 5 milliards. Pour moi, elle devait à la fois être porteuse et l'incarnation de Paris 2024, au sens, je dirais, de leurs valeurs, mais l'incarnation aussi, ou une partie de l'incarnation de Paris qui va accueillir ces Jeux-là. Alors Paris 2024, eux, ils avaient une des valeurs qui était importante pour eux, c'était la valeur d'égalité. Et l'égalité, elle était pour eux, dès la candidature, très importante par rapport au même niveau d'exigence qu'ils entendaient donner aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, d'ambition, d'exigence, de moyens. Et puis, égalité aussi en termes de parité parfaite entre athlètes hommes et athlètes femmes. Et donc moi, cette égalité, je l'ai jouée sur un principe de symétrie, en fait, de la torche, et faire en sorte que par ce jeu de symétrie, je crée cette égalité parfaite entre le haut et le bas de la torche. Et qui crée cette forme assez inédite hein, pour les torches olympiques, parce que, comme vous savez sans doute, elles ont toujours plutôt une forme comme ça, très évasée, qui est la forme traditionnelle. Et au-delà de cette notion d'égalité, l'idée c'était aussi de rendre hommage à Paris, et non pas à travers ces monuments là ici, mais à travers la Seine, qui traverse évidemment la capitale, mais aussi évidemment qui va être le terrain de jeu, le théâtre de la cérémonie d'ouverture. Donc toute la partie base de la torche qui ondule et qui est comme ça en métal très poli, tout est en métal recyclé, va évoquer là, la surface de la scène. Dans le cahier des charges du CIO et de Paris 2024, il y avait très peu de choses. Très peu de contraintes, aucune demande spécifique en termes d'esthétique, d'inspiration et autres. C'était vraiment une vraie carte blanche. Il y avait en gros deux contraintes principales. La première, c'est que la flamme ne peut pas s'éteindre et ne doit pas s'éteindre. Parce que la torche olympique, c'est très beau, mais le plus important, c'est quand même le feu. Hein. C'est le feu sacré, c'est celui qui vient d'Olympie qui va arriver jusqu'à Paris. Donc lui ne peut pas s'éteindre. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on génère techniquement et technologiquement pour que le feu ne puisse pas s'éteindre. Et quels que soient les orages, les bourrasques, les rafales, les tempêtes, etc., pendant le relais. Et puis le poids, pour qu'effectivement tout un chacun puisse porter et être relayeur. Donc il fallait rester dans un poids raisonnable, là on va être 1,6 kg, donc en gros vous allez courir avec une bouteille d'eau. Le grand défi technique, c'est qu'une fois qu'on a dit tout ça, comment on fait en sorte de mettre tout ça en forme, comment on fait en sorte d'avoir pris ce virage à 90 degrés par rapport aux formes classiques qui, au-delà de leur esthétique plus traditionnelle des torches, bah, facilitait évidemment la vie. Parce que lorsque vous avez une torche qui s'évase en haut, bah, toute la partie brûleur, vous la gérez de façon un peu plus simple que lorsque vous avez une torche qui s'ouvre et qui se referme en partie haute. Donc beaucoup de tests, beaucoup de problèmes à résoudre, beaucoup de miniaturisation de composants avec un système de brûleur en fait, qui est utilisé pour les alpinistes extrêmes qui ont besoin de cuisiner pendant qu'ils sont en train de gravir l'Everest. Dans des conditions climatiques extrêmement complexes, à des niveaux d'oxygène très complexes, être sûr que finalement la flamme sera là, sera belle et ne s'éteindra pas. Mais tout ça, on a besoin de l'intégrer dans un objet très pur, très simple. Vous ne voyez aucun assemblage, vous ne voyez aucune vis. Tout est là comme par magie. Pour moi, c'était aussi une chose importante, c'était d'arriver à créer une forme d'icône, une forme d'objet. J'avais toujours en tête de me dire, il faut que quelqu'un qui verrait la torche pendant quelques secondes pendant le relais, un jeune enfant qui le voit dans un magazine ou à la télévision, vous lui fermez les yeux, vous lui donnez une feuille et un crayon, redessine la torche. Et voilà, je voulais qu'il soit capable quasiment de la faire parfaitement. Donc il fallait un objet à la fois fort, à la fois dense, mais qui, dont la forme soit à la fois singulière, mais facile presque à reproduire et à mémoriser comme un signe, comme une lettre. Qui serait une lettre supplémentaire de Paris 2024. Dans les projets, dans les différentes créations, c'est sûr que cet élément naturel, il est un des éléments récurrents. Et dans cette nature, elle se joue sur la lumière, sur l'air, sur le son, sur cette terre que je respire, qui n'est pas juste une chose un peu invisible, mais qui fait partie de moi, qui est là pendant qu'on se parle, il rentre à l'intérieur et il ressort. Je trouve une chose très, très
très belles, mais évidemment les végétaux qui nous entourent. Moi, ce qui m'intéresse ensuite, c'est de non pas considérer cette nature comme un paysage, comme une chose qui serait un beau décor, mais d'essayer de toucher du doigt et de comprendre la façon dont elle fonctionne et dont elle nous conditionne. Sur des projets autour de la notion d'eau, de liquide, d'océan, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver ce moment un peu magique où on est face finalement à la mer ou à l'océan, et où c'est un des rares moments de la vie où j'ai pas besoin de parler, où j'ai pas besoin de me souvenir. Je profite juste du moment d'être ici, là, maintenant. La nature, elle a pas besoin qu'on lui rende hommage. Elle a pas besoin de nous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point tous ces éléments-là jouent sur nous, êtres humains. Donc ensuite, je vais essayer de voir comment la faire rentrer dans les projets et de retrouver ce qui m'intéresse dans son potentiel, effectivement, de transformation de ce que nous sommes et de transformation de nos potentiels émotionnels. Le projet sur lequel je travaille pour Maisons et Objets est assez particulier. Ce qui est sûr, c'est que je ne voulais pas faire une exposition prospective et mettre les objets en scène dans un côté un peu muséal. Je voulais le prendre vraiment comme un nouveau projet, une vraie carte blanche, et profiter de cette opportunité-là. Et je me suis intéressé à un phénomène qui commence à poindre, exister un peu partout dans le monde, qui est cette notion de survivalisme. Est-ce que je peux imaginer, effectivement, quitter ce monde dans lequel je suis, cette densité, ce confort absolu, cet accès à tout ce dont j'ai besoin, et est-ce que je peux inventer ou me réinventer? Elle reste sur notre plan A, la seule que nous ayons, mais aller plutôt, effectivement, un peu plus loin de tout ça, en acceptant une forme d'isolement et de réfléchir sur, mais alors du coup, de quoi ai-je vraiment besoin? Et à partir de là, ça veut dire que j'ai quand même besoin d'un abri. J'ai besoin d'une énergie, j'ai besoin de nourriture, mais à ce moment-là, d'où elle vient. J'ai besoin d'un certain nombre de conforts, parce qu'effectivement, même si j'accepte de retourner, non pas en arrière, non pas dans un côté primitif, mais de me libérer d'une part de tout ce que j'ai et dont j'ai pas forcément besoin, bah, j'ai quand même goûté à un certain confort. J'entends en emmener un peu avec moi quand même. Et donc le projet va être cette vision, non pas absolument pessimiste survivaliste, mais sur un survivalisme plutôt optimiste. Architecture dans lequel on va pouvoir rentrer et qui va avoir la particularité d'être un total monochrome. Donc tous les objets auront la même couleur, donc tout va être jaune. Bah, c'est une proposition de vie alternative à laquelle je suis peut-être pas contre d'adhérer. La factory où on se trouve ici, c'est mon lieu rêvé. Parce que c'est un lieu où en fait, on a enlevé et on continue d'enlever tous les obstacles entre l'idée initiale, l'intention initiale, l'intuition initiale et sa réalisation. C'est d'arriver à tout intégrer et de faire en sorte qu'il y ait de moins de déperditions possibles, le moins de compromis possible entre l'envie de faire une chose et sa réalisation. Tel que je fonctionnais dans le passé, j'avais des clients, des éditeurs, des marques, quelles qu'elles soient, et puis vous dessinez une chose et vous mettez tout votre temps, votre énergie, parfois votre talent pour le faire, et puis ensuite, elle va passer par des rouages, du marketing, vous avez beaucoup de personnes à convaincre qui vont donner leur avis, et puis la chose, elle perd forcément. Elle perd en tout cas par rapport au noyau brut que vous aviez initialement. Voir mon métier, c'est un peu comme celui d'un DJ ou d'un musicien, c'est-à-dire que j'ai une table de mixage, mais avec je sais pas combien de petits potentiomètres, où on va jouer sur la dimension artistique, émotionnelle, technique, physique et scientifique, et vous passez votre temps à ajuster tout. Donc c'est une chose extrêmement fragile dans la manipulation pour arriver à avoir une chose qui, d'un seul coup, claque, s'emboîte et crée ce potentiel de magie ou d'émerveillement. Et si à un moment, au fil du processus, il y a quelqu'un qui bouge un potentiomètre, ça paraît pas grand-chose. Et à ce moment-là, ils vous diront « Bah oui, j'ai pas changé grand-chose, c'est juste un millimètre. » Ouais. Sauf que c'est comme une personne. Cette magie-là, elle se joue parfois à un millimètre, à des nano-choses qui sont parfois à peine visibles, mais auxquelles je crois profondément. Donc l'idée de cette factory, c'est d'enlever tout ça et de se dire, de fonctionner presque plus comme une marque et de se dire « Voilà, on va du début jusqu'à la fin. » Comme n'importe quel projet, il est jamais garanti de succès. Sauf que s'il ne fonctionne pas pour X raisons, on sait pourquoi et on apprend et on recommence, etc. Donc c'est de construire cette autonomie de fonctionnement. À New York, en fait, on a un grand appartement, un grand penthouse qui est ouvert et dédié à nos clients, collectionneurs, amis. Donc un lieu qui est ouvert sur rendez-vous uniquement, qui est
au sommet d'un des plus beaux gratte-ciel new-yorkais et qui nous permet de mettre toutes les pièces en scène. Ici, là où on se trouve à la Factory, c'est un lieu de création, c'est un lieu de production. Alors on montre quelques pièces, mais c'est vraiment ici, on est dans le cerveau de la machine. À New York, on est sur la main. Donc voilà, les choses, elles sont générées dans le cerveau, mais ensuite je les montre, ou je les donne, ou je les offre. Donc le pied-à-terre à New York, c'est ça. C'est cette main où on a mis toutes les choses entre elles, où on voit comment elles dialoguent entre elles, on voit comment elles créent un univers, on voit comment elles créent une histoire, on voit comment elles sont à la fois très différentes les unes des autres en termes de matériaux d'assemblage, et on voit néanmoins qu'elles ont un ADN commun, un fil conducteur, qui est peut-être leur fil biologique et naturel. Qui les relie entre elles et qui les fait, j'espère, vibrer entre elles. C'est à la fois un lieu qui est dédié évidemment pour nos clients et potentiels acheteurs, mais très honnêtement, c'est un lieu qui me sert aussi pour voir si chaque nouveau-né trouve sa place dans la fratrie. Si j'avais un conseil, c'est de s'écouter, c'est de se cultiver et de se nourrir de domaines les plus éloignés possibles à nos domaines de prédilection. Si vous vous nourrissez trop de ce qui est en train de se faire, de ce que vous voyez sur des blogs, sur des magazines et autres, vous allez vous inspirer de choses qui existent déjà et qui viennent d'exister. Et vous allez vous inspirer de designers qui se sont eux-mêmes déjà inspirés. Ça veut dire que vous allez en gros vous alimenter d'une nourriture qui a déjà été digérée. Une nourriture qui a déjà été digérée, on sait qu'elle a perdu un peu de ses nutriments, de ses vitamines, de sa force énergétique. Donc il faut essayer de trouver des nourritures brutes. Il faut essayer de cultiver son jardin. Et donc pour ça, il faut essayer d'ouvrir les écoutes et aller voir effectivement ce que des domaines très éloignés au nôtre travaillent, développent, créent, produisent en termes de matière, de forme, de tout un tas d'éléments. Mais cette matière brute qui est pleine de nutriments, pleine de vitamines, qui est pleine de potentiel énergétique et créatif. Et voir si là, il y a des choses dont on peut extraire une inspiration, une idée, une envie, un comportement et essayer de la ramener dans le champ du design. Sinon, vous serez toujours en retard. Une phrase, il y a cette très belle phrase qui dit que le être dans l'air du temps, c'est un destin de feuille morte. Donc n'essayons pas trop d'être dans l'air du temps et essayons de se nourrir de choses lointaines et on les ramène dans le champ. On se concentre sur ce qu'on croit et on a le droit de se planter. Il faut aimer autant les échecs que les succès. La seule chose, c'est que les succès, on n'a pas grand-chose à en faire, on peut juste savourer le moment. Les échecs, il faut juste les transformer pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut apprendre de ça. On est tous vivants là, pendant qu'on se parle. Et c'est une chance incroyable, c'est-à-dire que dans la loterie biologique héréditaire, exister, c'est déjà... c'est incroyable d'être là. Ça a été une compétition de cellules, de spermatozoïdes, et j'en passe. C'est extraordinaire d'être là. Donc, et on a tous l'air d'être là en disant, je suis là, quoi. Et j'essaie j'aimerais qu'on fasse en sorte, dans ce concret, que les gens se sentent effectivement, mais je suis vivant, quoi. J'existe, et c'est déjà extraordinaire. Je respire, je sens, j'entends des choses, je suis là. Donc, si un objet, une œuvre, une pièce a cette capacité-là juste de faire une microseconde de mise en pause et de se dire, je suis vivant, quand même, ce serait super. Pas facile, mais super.